Elle apparaît, surgissant de la nuit des temps. Vêtue de rouge comme des flammes dans l'obscurité. C'est la magie de la lumière. Son visage lumineux affiche un sourire à peine perceptible. Ce dernier se fond dans l'ombre et se propage dans nos cœurs. Qui est-elle? Et d'où vient-elle? Ce tableau est intitulé « La mariée tadjique ». Dans les années 1980, dès sa présentation, il frappe le monde avec sa beauté vertigineuse. Cette beauté fascinante semble contenir des mystères esthétiques infinis. Il y a des milliers d'années, les êtres humains essayaient pour la première fois de représenter des formes naturelles avec des lignes. Lorsqu'ils ont dessiné des motifs triangulaires, ils ont immédiatement été frappés par leur beauté, leur stabilité et leur équilibre. Et c'est comme voler le feu aux dieux. Raphaël, Léonard de Vinci, Ingres, le secret du triangle est depuis apparu à maintes reprises. Dans la mariée tadjique, le recours à la géométrie donne stabilité à la composition. La lumière latérale crée un fort contraste clair-obscur. La forme d'art classique qu'est la peinture à l'huile est utilisée pour décrire le charme durable d'une chinoise ordinaire sous des coups de pinceau délicats. Qui ce tableau représente-t-il? D'où vient-il et comment est-il né? Les réponses se trouvent dans une histoire qui remonte à plus de 70 ans. Beijing, 1949. Tin Shanyi, 15 ans, est pour la première fois face à une statue en plâtre. Afin qu'il soit admis à l'école d'art de Beijing, un parent a emprunté un buste pour que l'adolescent s'exerce. Il lui apprend ce qu'est l'esquisse et comment dessiner au fusain. C'est ainsi que Tin Shanyi fait la première esquisse de sa vie en suivant purement ses intuitions. Cette première tentative lui permet d'expérimenter pour la première fois un langage artistique différent de la peinture orientale. Dès l'âge de 15 ans, Tin Shanyi commence à apprendre la peinture à l'huile occidentale. Il s'est toujours consacré à la création de la peinture de portraits. Son souhait,
et des plus simples. Réaliser un portrait chinois à la peinture à l'huile. Utilisant cette dernière pour exprimer avec précision la mentalité et les caractères des orientaux, il explore et tente de faire une percée. Le Pamir est un massif qu'on surnomme le toit du monde. Là-bas vivent les Tadjiks, qui ont choisi comme emblème l'aigle des hauts plateaux. On les appelle les invités des sommets glacés. En 1980, l'artiste a 47 ans. Il se rend au Xinjiang pour en apprendre davantage sur les coutumes folkloriques. Par hasard, il arrive ici, une contrée peuplée de Tadjiks. Avec leur arête du nez haute et leurs yeux profonds, ils ont un visage anguleux. Qin Shanyi trouve de nombreux sujets convenant naturellement à la peinture à l'huile traditionnelle. Il dessine des centaines de croquis. Un jour, il tombe sur un mariage. Lors de la cérémonie, la mariée porte une robe rouge, un couvre-chef et un voile. Son expression est un peu timide. Mais son désir de bonheur est fort et déterminé. À ce moment, Qin Shanyi pense qu'il a trouvé la parfaite adéquation entre le classicisme et l'expression chinoise. Tout semble si beau que le peintre est comme ébloui. Dans les années 1980, tout est passionnant et romantique. Les expériences et les explorations dans le monde de l'art se succèdent. Mais au milieu de cette agitation, Qin Shanyi, qui vient de rentrer du Xinjiang, est calme et déterminé. Alors que le monde recherche l'innovation, il porte son attention sur les fondements et les lois de la création de la peinture à l'huile. Quelques mois plus tard, Qin Shanyi va aux États-Unis pour rendre visite à des parents. En l'espace de moins d'un an, il se rend dans de nombreuses galeries d'art. En regardant de près les œuvres classiques, Qin Shanyi est frappé. Les compositions sont harmonieuses. Les touches de pinceau délicates et les reliefs rendus grâce au clair-obscur. Le visage de la mariée Tadjik réapparaît dans sa tête. Un an plus tard, Qin Shanyi se dépêche de rentrer en Chine. Il veut utiliser les règles de l'art classique pour dessiner l'idéal esthétique chinois. Sa composition se construit dans la stabilité géométrique. La lumière est introduite de côté, décrivant le beau visage tridimensionnel de la mariée Tadjik de ses souvenirs. La silhouette de la mariée construit un triangle stable. Les lignes du visage, surtout, se transforment lentement et s'empilent pour donner du volume. En lumière latérale, le visage montre la forme la plus gracieuse. La lumière illumine la peau claire d'un éclat pelucheux. Les touches de pinceau sont de fins points de couleur.
créant lentement de riches couches qui font apparaître le personnage dans un fond pur comme une sculpture. Elle vient du plateau enneigé avec l'élégance d'une femme orientale et la joie d'une mariée. Simple, calme et harmonieuse. Tin Shanyi a utilisé la technique la plus pure pour représenter une jeune Tadjik et ainsi créer l'éternel dans son idéal esthétique oriental. Près de 40 ans se sont écoulés et la tendance autrefois recherchée a changé plusieurs fois. Elle est un idéal esthétique vivant sur la toile. C'est la plus belle expression de la vie. Le rouge chinois le plus splendide. Le bonheur le plus subtil. Le plus beau sourire des montagnes ne s'est jamais estompé.